Écoutez, je crois que c'est un grand jour aujourd'hui, puisque avec cette séance, on finit d'essayer de séduire les habitants des derniers villages qui ont été raccordés. On est aujourd'hui 32 communes sur le Pays Oudanais qui sont raccordées côté Yvelines. C'est près de 95% des foyers qui sont éligibles. Cette zone, par essence rurale du département, s'ouvre à une forme de modernité qu'on lui refusait peut-être jusqu'à maintenant. L'événement d'aujourd'hui en fait, a consisté à faire un forum commercial. On a invité l'ensemble des opérateurs et l'ensemble de la commune à se rencontrer. L'objectif, c'est de pouvoir créer un lien de proximité entre les opérateurs qui ont des services à vendre particuliers et des particuliers qui sont en attente de la FIP depuis pas mal de temps. Ça va améliorer la qualité de vie, une rapidité pour différents achats sur Internet, les administrations, les banques, etc. Échanger beaucoup plus de données aussi. Et c'est vrai qu'on se restreignait sur juste de la consultation et on était très limité pour pouvoir uploader ou de la photo ou publier des choses. Et là, ça va permettre de monter aussi sur les clouds beaucoup plus d'informations. La FIP pour nous, ça sera le télétravail pour moi, pour ma femme et pour les enfants. Et pour moi aussi, c'est toute la partie streaming puisqu'on est 7. Donc ça fait beaucoup de vidéos avec différents providers connus de vidéos. L'entreprise m'a dit que vivement que la fibre arrive chez toi parce que ça va te changer du tout au tout. Donc c'est vrai qu'on attend ça avec impatience. Aujourd'hui, c'est la reprise, donc on est content parce qu'au moins on est en contact avec les clients. Pour les seniors, ça reste un dispositif qui leur permet d'avoir de l'information et de trouver des solutions quand ils en ont besoin. Les clients, ils se déplacent dans leur ville, donc c'est très proche. Et puis il y a des gens experts en la matière qui peuvent les renseigner. Il y a déjà les opérateurs commerciaux, mais aussi l'opérateur d'infrastructure. S'ils sont venus ce soir, c'est plus pour être rassurés sur le raccordement, rassurés sur leur éligibilité, rassurés sur la compétitivité de leur offre. Le forum commercial en présentiel était très très attendu, autant par nous l'opérateur que par les particuliers, car ils ont besoin d'un accompagnement humain. Merci à la Fibre d'arriver, merci à Yvelines Fibre d'avoir fait le travail. Merci d'avoir organisé ce forum, c'était la bonne plage horaire, il y avait une très bonne fréquentation. Merci à la mairie de Bazainville qui nous accueille, merci à Yvelines Fibre TDF également. Merci beaucoup.